La poésie est un véhicule intérieur de l'amour. Nous devons donc, poètes, produire cette sueur de sang, quelle élévation à des substances si profondes ou si élevées qui dérivent de la pauvre, de la belle puissance érotique humaine. Langadine, décor des années profondes, dernier texte romanesque de Jouve, le pays d'Hélène. Hélène, Paulina, Aladine, Catherine Crachat, figures féminines inventées et créées, et leurs modèles d'anciennes amours, nommées plus tard dans le journal intime, ces femmes par qui Jouve a connu l'expérience de ses propres limites. Miroir quasi narcissique, son œuvre monomane et obsédante ne cesse de les appeler, de les convoquer, de les interroger. Éternel retour aux mêmes questions. Telle une femme nue, en atmosphère obscure, tel un regard pensif posé sur un château, telle les vues, des chemins chauds aux glaces pures, mais non, d'adolescente ou de vieille, d'amour, les images, de fuite ou de crime peut-être. Sur un lieu d'âge mûr faussement inventé, Hélène, vieux soupir sur un lieu de jeunesse, la plupart ignorant quelle noire eut la beauté, c'était l'histoire, et certains savent l'aventure. Que je nomme émerveillement. Souvent, je me demande si l'affolement du monde préfigure une fin dont on aurait l'obscure conscience, ou s'il s'agit seulement pour ce monde de s'adapter au changement d'échelle. Pour moi, aucune réponse, sinon sur un autre plan. Le poète connaît une permanence, celle de l'émotion positive, de l'émerveillement. S'il la perd, il est perdu, comme le nageur épuisé disparaît à la surface des flots. Or, l'émerveillement n'est pas le don du seul poète, et sans doute n'y a-t-il que l'émerveillement pour sauver la vie de l'homme ordinaire d'un écrabouillement total. Propice obscurité, j'ouvris le coffre de fer. Tout y était calme et bien rangé, pour l'éternité peut-être. Car je fus surpris, ayant oublié le contenu du coffre, de le voir exactement rempli de femmes mortes. Il y avait là Yannick, en robe d'été, photographiée sur un trottoir, enjouée et élégante, d'un maintien un peu précieux. Madame C.M. souriait largement sur un pétale de rose au rouge sanglant comme elle, paisiblement défunt. Imona était aussi représentée par un simple bout de papier. Surtout Lisbeth, dans un cadre ovale, penchée en une attitude plus vieille que le temps, songeuse. Des lettres, des feuilles, sacramentellement chargées de feu éteint et de prévisions, en ce sens que d'autres femmes pourront toujours les écrire. Des fragments de soie et des parties du corps. Quelque chose de si déchirant et naturel que tout regret semblait aboli. Abolies, les créatures vivaient une seconde fois avec un peu d'ironie, peut-être. Abolies, le parfum qui montait n'était plus celui de la mort. Sur les abolies devenues substances, je fermais le coffre de fer.
La douce visiteuse. La douce visiteuse jouait avec ses pendelocs, attirant tous les regards sur sa splendide rousseur. Lui revoyait des temps passés, des jeunesses. La tasse de thé était ensuite portée vers une grande bouche lumineuse par la main alourdie de beaucoup de bagues, avide des autres jeux. Elle semblait répéter sans cesse qu'elle était là et seule, avec l'ingénuité de ton des adultères de province. Et quoi? Derrière les vitres, au plafond, quels visages énormes, boursouflés et grimaçants, de vieillards chargés de rides, de douleurs, mâchoires proéminentes, bouches obscènes. Pourquoi rôdes-tu os édenté dans son sourire? Quel feu soulevait par instant le dôme de cette tête? Il se reprit, buvant sa présence comme le thé, tandis qu'elle souriait toujours. Les voitures faisaient un si infernal bruit rassurant. Tout était si vrai, près de la douce visiteuse. Brusquement, il lui sembla qu'elle brandissait un couteau. Elle, caressant ses rêveries de jeune fille, pensait qu'elle appartiendrait à l'homme tardif. Tous deux ignoraient la situation. Et s'il avait touché son sein ce jour-là, il aurait déjà senti la noisette dure de la mort. Mémoire. Dans ce château aux 30 fenêtres règne la personne aimée, par moi inventée et vraiment fausse. Je suis seule à le savoir quand je passe, voyageur étranger au pays. Nul ne m'interroge, personne ne sait. Le secret est bien gardé. Cependant, une part de cette femme était une part réelle de ma vie. En haut, vous voyez les remparts de glace et en bas, le petit ruisseau près des saules. Des montagnes dangereusement se resserrent en ce point même. Les grandes pièces d'apparat ont été fermées depuis. Mais elles me sont familières puisque j'y ai mis la mort. Retour chez Hélène. Non, ce n'est plus toi, ô tranchée de la pierre. Et ce n'est plus toi, Hélène. Quand apparaissait la vallée dans ses métamorphoses, ses échardes de lumière spirituelle, combien le chagrin me prenait délicieux pour la morte. Les forêts d'abord dures et étroites, puis grasses par la transmutation des espèces d'arbres, la dureté décroissante et la clarté fourmillante en mille feuilles escortées de chaleur, l'escale dans les cascades, les mémoires, les allusions, l'imagination, le désir, les éclats des rocs par-dessus de vieux rêves de jardinier et la séduction d'une robe. Cette beauté de grande famille aristocratique dont la main frêle touchait toujours à la même place la porte de sa demeure. Les paroles qu'elle avait dites une fois, une seule fois. Le sourire de ses énormes cheveux couleur de cendre. Tout revenait d'un coup. En hâte et en besoin. Était-elle vraiment morte dans ces parages, après avoir aimé des images de son sexe? Était-elle à m'attendre ici, après avoir été enfantée en rêve? Car le fantôme faisait le pays entier autrement vrai que la nature. Non, tu n'es plus, antique vallée,
qu'une longue fente de la terre dessinée par un géant peintre. Hélène n'est plus là, entre la muraille et la feuille, dans le souci de l'amour et à la petite porte de la mort. Je puis regarder en paix tout ce qui pousse et se meut en dessous du balcon. Un homme âgé qui sent le regret dans les plus fines racines de son être, mais pour qui la morte n'est plus, n'était plus, ne fut pas ici. Les montagnes du haut sommet étaient cartonneuses et chaudes. Tout était envahi. La neige se mourait. L'implacable bleu du ciel qui causait la terreur se renvoyait lui-même dans une eau sans rides et comme une seule plaque de silence. Les forêts sans mouvement croyaient au malheur. Et l'air magnétique était si transparent que l'on voyait très loin et très haut les minuscules détails d'une terre énorme. Les couleurs, partout féroces, posaient une unique question. Qu'était ce lieu sinon la mort? Je suis le moteur de joie et de sang, l'agent du charme, le bonheur imprenable, mes bonheurs. Je veux, je brandis, je dévore. Tous corps sont mes corps, tous actes mes actes, tous masques peuvent me recouvrir, je suis toujours. Je fais l'unité et les désordres, l'extase et le suicide. Je veux, je prends et je dévore. Je suis l'autre. Une force qui tremble pénètre l'autre dans un plaisir de soumission et agit avec volubilité jusqu'à ce bouleversement, ce retournement de la cave, ce triomphe sur la chair tordue parce que les vases du triomphe communiquent. Mais nul amour n'est en vue de l'autre, il est en vue de soi. Si je suis le démon du lit, je suis aussi l'ange des cieux. Car on peut, par alchimie, passer dans toutes mes hauteurs et parfois arriver à Dieu ou à la divine charité. La ville, le Paris de Charles Mérion, le graveur fou qui enthousiasmait Baudelaire. Pour Jouve, les eaux fortes de Mérion associent solitude de l'homme et catastrophe de la ville. La ville, l'eau, le jour, la nuit, les pierres et les fenêtres, innombrables. Évocation de la vie intime, la vie cachée. Ce qui est derrière, ce qui est au fond de chacun, l'abîme. Retour au bouleversement intervenu 20 ans plus tôt, la découverte de Freud. Rupture, rejet de tout ce qui a précédé, écrit, amour, amitié. Une deuxième naissance auprès de Blanche Reverchon, elle-même psychanalyste, qui l'épouse pour ne plus jamais la quitter. Qu'est-ce qui limite le flot vraiment informe de notre inconscient? Dans l'inconscient, il n'y a qu'une limite, elle est représentée par la mort. Au contraire, dans le conscient, la forme nous apparaît comme la condensation heureuse de la vie. Mais la beauté de la forme, en ajoutant un aspect de durée infinie, d'éternité, ramène à la première limite, au sens de la mort. Ainsi, l'organisation de l'œuvre oscille magnifiquement de la vie à la mort et de la mort à la vie.
trésor. J'ai un trésor qui est toi. Et bien que sans cesse menacé par le temps voleur, trésor. Tu es trésor par l'intervention que tu as osé faire jadis pour transformer en moi 100 choses de profondeur et me conduire à moi-même. Tu es trésor par la présence incessante, constante et fidèle à tous les tourbillons, crises, malheurs passagers. Tu es trésor de jugement pendant des âges et des âges. Tu es trésor de patience et d'impatience quand tu aides à toute solitude et ajoutant de singulières lumières. Tu fus trésor par la connaissance hardie et dangereuse où tu m'as plongé et entretenu. Je ne pense plus désormais qu'au temps et au danger que le temps suspend sur mon trésor. Mais comme toi-même le proclames, je fais confiance au trésor pour toujours. Songe un peu au soleil de ta jeunesse, celui qui brillait quand tu avais 10 ans. Étonnement, te souviens-tu du soleil de ta jeunesse? Si tu fixes bien tes yeux, si tu les rétrécis, tu peux encore l'apercevoir. Il était rose, il occupait la moitié du ciel. Tu pouvais, toi, le regarder en face. Étonnement. Mais quoi? C'était si naturel. Il avait une couleur, il avait une danse, il avait un désir, il avait une chaleur, une facilité extraordinaire. Il t'aimait. Tout cela que parfois, au milieu de ton âge et courant, dans le train, le long des forêts, au matin, tu as cru imaginer en toi-même. C'est dans le cœur que sont rangés les vieux soleils. Car là, il n'a pas bougé. Voilà ce soleil. Mais oui, il est là. Ne savait pas ce qu'était la peinture. Et elle ne lisait jamais de poésie. Mais elle adorait une image qu'elle avait, l'extase de Sainte-Catherine de Sienne, peinte par Sodoma, d'un amour trouble, immense et absolument intérieur à elle-même. Sainte-Catherine à genoux s'affaisse. Sa main est blessée par le stigmate. Sa main pend. Elle repose chastement dans le creux des cuisses. Comme elle est femme, la pure image, la religieuse. Ses larges hanches, cette douce poitrine sous le voile et ses épaules. Ce n'est pas moi qui ferai jamais une si belle épouse. Je suis maigre, pas formée pour l'amour. Le creux des cuisses signifie l'amour. Mais il ne faut pas penser selon la chair. C'est une idée de Satan. Deux autres religieuses soutiennent Catherine. Celles-là ne comprennent rien et ne voient rien. Le monde du bonheur est fermé pour elles. Et Catherine, heureuse, est morte. Son visage a perdu la vie. Elle est morte. Elle est morte. Aimer, c'est mourir. Elle est dans la joie. Elle dort. Qui m'aimera jamais? Moi. Qui me fera mourir? Sueur de sang. 1935. Crachats. Les crachats sur l'asphalte m'ont toujours fait penser à la face imprimée au voile des saintes femmes. L'héroïne. Qu'il nous laisse nous enfoncer ensemble dans notre histoire. D'avoir repassé par toutes ces phrases qui depuis 34 ans dormait dans la mémoire, où tu es vivante, tendue et créée, je me suis sentie effrayée, d'inquiétude et plutôt d'amour. Non pas devant une figure inventée, mais devant un être réel, saignant, inexplicable, extasié et meurtrier, que j'ai connu parce qu'il a existé. Je ne doutais plus d'avoir été appelée par toi et de t'avoir répondu dans les âges. Chère flamme dont l'obscurité est mon obscurité, chère flamme qui est moi-même,
bien plus vaste que moi-même. Va, je ne doutais pas de t'avoir aimé. Aimé et possédé. Et pourtant de te contenir comme la partie éteinte de mon propre désir. Je tremblais donc de tes mouvements féminins secrets. Je vivais tes déchirements. Je pressentais tes folies. J'avais tes forces masculines. J'armais ton revolver. Je tirais à ta place. Et comme toi, je suicidais la meurtrière abandonnée de Dieu. Le véritable artiste doit être incorporé à la créature. Et je l'étais à ce point que ma voix chevrotait, perclue par les larmes, dans ton état final de dépouillement, de renoncement et de pardon. Très peu comprendront que le feu de la chair et la blancheur du ciel, le refus de la honte et la tentation bienheureuse du désir se sont toujours montrés en la même lumière, se sont heurtés, se sont aimés, du même corps à travers cent angoisses, mais aucun n'a cédé de ses forces sacrées à l'adversaire, ni le péché, ni la folle espérance. Je n'aurais jamais écrit une ligne si je n'avais pas cru au rôle sanctificateur de l'art, si je n'avais pas pensé à une réalité autonome de l'œuvre d'art sans auteur, ni acteur, ni spectateur, en soi, pour une certaine gravitation des causes essentielles. Lorsque le poète est à son plus haut degré, il travaille en univers, se servant de ce que l'univers lui a donné, et l'objet demeure suspendu, somme toute, devant le regard divin. Voilà le commentaire que je désire donner au mot spirituel. Objet de la tristesse, elle était aussi objet de la joie. Objet de la jeunesse, elle touchait à la maturité par la plus dure des expériences. Objet de honte, elle était particulièrement fière, et de ses grands yeux de mère, elle regardait avec loyauté. L'objet n'est rien, et le désir est tout. Même pas le désir, mais la phrase du désir.